Nous avons longtemps été confinés à des endroits ou à des lieux. Parfois, notre attache est même juste liée à un objet. Pourtant, avec le modernisme de ces dernières décennies, nous apprenons à évoluer et à nous en servir. Ainsi, les meilleurs d'entre nous arrivent à se faire entendre sur des bandes audio ou même au téléphone. On nous trouve aussi sur Internet. Et parfois, on apparaît sur des photos ou des vidéos. Vous voyez, on a beaucoup progressé. C'est mon cas. J'ai réussi à être entendu sur des bandes audio, à déplacer des objets et même à apparaître à travers des miroirs ou des fenêtres, terrifiant les gens qui me voyaient. Mais rester confiné à un lieu me lasse. J'ai envie d'un autre endroit à hanter. J'ai envie d'une nouvelle famille à traumatiser. C'est le cas d'ailleurs de bon nombre d'entre nous et c'est pour ça que nous sommes en constante évolution. Aujourd'hui, j'arrive à vous parler à travers l'écran de votre PC. Vous m'écoutez sans y croire et le plus drôle, c'est que je vais tenter de m'échapper de mon lieu actuel de hantise pour venir chez l'un d'entre vous. Oui, vous qui regardez cette chaîne YouTube et qui m'écoutez. Je vais passer par le réseau internet et essayer de me faufiler jusqu'à chez vous. Alors, si après avoir regardé cette chaîne vidéo, les objets commencent à bouger tout seuls, que des bruits ou des murmures se font entendre sans qu'il n'y ait personne dans la pièce, ou que des visages apparaissent à travers vos miroirs ou sur vos photos, dites-vous que j'y suis arrivé et que c'est chez vous que j'ai élu domicile. Dites-vous que votre joli chez-vous sera devenu mon terrible chez-moi. Dites-vous que vos douces nuits vont être peuplées de cauchemars et que vous êtes à présent locataire ou propriétaire d'un endroit hanté et que la peur va devenir votre sentiment quotidien. Vous voyez, on a évolué. On est de plus en plus fort. Regardez autour de vous. Écoutez bien les moindres bruits que vous entendez, car je suis peut-être déjà là. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.